me saoule avec ses questions, il me saoule. Fais pas semblant que tu m'attends pas. Salut Jérém. Bon alors dis-moi, on va forcément rebondir sur l'actualité, hein. Pour le documentaire, c'est quand même vachement important. On va parler un petit peu du Mont Ventoux. Je pense que tu es au courant de ce qui se passe, que le Mont Ventoux est escamoté, qu'on arrive au Chalet Renard, qui fait quand même 10 km. Le Chalet Renard fait combien de kilomètres, tu dis ? Apparemment, il y a 10 km à peu près à 8-9%. C'est ça. C'est assez violent quand même. Ouais, mais t'as quand même le Mont Ventoux, le mythe d'aller en haut. Le mythe du Mont Ventoux, certes. Le mythe du Mont Ventoux, ça te fait rien de particulier, quoi. T'es pas... Il se rapproche vachement près, c'est hyper stressant. Non, par rapport au Mont Ventoux. C'est un beau symbole. C'est le crâne chauve, c'est... Le Mont Chauve ? Le crâne chauve, oui. C'est le Mont Chauve qui s'appelle le Mont Ventoux. Je l'ai monté deux fois. 2009-2013. C'est ça. 2009-2013. Et à chaque fois, c'était un grand moment où tu n'es pas forcément fasciné par le mythe. C'est très difficile comme col, ouais. Je l'ai monté, oh là. Si je peux placer, je peux me la péter, je l'ai monté les trois cols, les trois côtés. Les trois côtés, j'ai pas moi, respect. Excuse-moi, je rigole parce que il y a... Il y a Arthur Vichot qui vient de t'offrir un petit chocolat. Ouais. Est-ce que ça serait pas la mi-temps de l'interview? Non, et on s'offrirait un petit... Voilà. Non, mais c'est très bien qu'il apporte ce chocolat à ce moment. Pourquoi? Ça, c'est un symbole fort pour nous. Tu vois, c'est notre petit... moment plaisir, détente justement, comme on évoquait. Chocolat. Après l'étape, après avoir dîné, entre coureurs, on déguste un carré de chocolat. Regarde ça. C'est magnifique. Oui, bon, bah, c'est du chocolat. Non, non, non. Ça, non, comme si c'était un truc... C'est pas du chocolat. C'est LE chocolat. Je te fais goûter quand même. Je vais te goûter. Goûte, clac. Et comme quoi... Un tout petit bout. Comme quoi, des fois, ça, des petits plaisirs, des petits détails que nous, on s'imagine pas, parce que du chocolat, on en mange quand on veut. Ah non, ça a de l'importance. Voilà. Tout de suite, tu te projettes ailleurs. Le tour, c'est une épreuve de dingue. On arrive exténué, on vit avec le mal aux jambes tous les jours. Il y a une grosse souffrance. Ça, les spectateurs ne se rendent pas forcément compte que c'est vraiment très très difficile au quotidien. Mais après, pour en revenir au tour, j'aurais des souvenirs marquants. J'ai pu porter le maillot à peau une journée, super combatif, j'ai passé des cols en tête tout seul. Un rêve de gosse, quoi. Oh, t'es affûté, mon salaud! Regarde ça, ça c'est un bonus de la vie, ça c'est un cadeau. Tu vois? Oh la vache! T'en es pas loin! Un petit effort, ça va! Sauf que moi je suis venu me crisper, regarde, t'as la jambe qui tremble.